Vêtements, meubles, jouets, en temps de crise, on n'achète plus, on troque. Se débarrasser des habits du petit dernier pour s'offrir une nouvelle table à manger, voilà la tendance. Échanges et bonnes affaires sont les mots-clés. Mais le troc ne s'arrête pas aux choses matérielles. Dans son association, Mireille propose-t-elle d'échanger des savoirs. Langue, informatique, cuisine, bricolage. Ici, on propose ses compétences pour apprendre quelque chose en retour. L'échange est gratuit. Nous, on estime que chaque personne a des savoirs et que nous sommes tous savants. Et nous sommes tous aussi ignorants. Et que nos savoirs, nous les avons reçus de quelqu'un. Et donc, il n'y a aucune raison que ça se vende. La seule exigence, c'est la réciprocité. Et c'est ça qui fait que nous sommes à égalité. C'est que nous passons tous alternativement en position d'enseignant et en position d'enseigné. Le réseau Troc Savoir compte environ 400 adhérents. Le mot d'ordre, solidarité. Fanny est volontaire dans l'association depuis 3 mois. Pour elle, de tels échanges n'ont que des avantages. On ne va pas se le cacher, il y a beaucoup de gens qui regardent sur l'argent. Et ici, comme on dit, c'est gratuit et réciproque. Donc les personnes, je ne vais pas dire profitent de cette gratuité, mais sont contentes de pouvoir faire des échanges ou peut-être apprendre des langues ou faire des cours de cuisine gratuits, alors qu'en dehors, ça a un prix très onéreux. À Colmar, l'association Kerna Unsoma est également spécialisée dans le troc de graines et de semences. Agriculteurs, jardiniers, consommateurs, tous mettent à disposition leur récolte. L'objectif, manger mieux, à moindre coût, mais pas seulement. Au travers des semences ou des graines, en fait, ce qu'on ressent, c'est ce besoin d'échange entre les gens. C'est pas seulement un besoin alimentaire ou de pratique de jardinage, mais un besoin de se retrouver, d'échange, de relations sociales, quoi, de liens, de contacts. En fait, c'est ce qui fait la richesse des échanges aussi. Crise oblige, 43% des Français se disent prêts à se lancer dans le troc pour faire des économies.